Consultation avec le docteur. Ouais. Quelle cellulite as-tu? Je suis pas sûre d'avoir envie de le savoir. Mais bien sûr. Allez. Et oui, on va toutes passer entre les mains du médecin pour en savoir un peu plus sur nos cellulites respectives. C'est juste l'énorme complexe, le plus gros complexe que j'ai. Effectivement, effectivement. Ah, vous voyez? Très léger, hein, très léger. Ouais, très, mais très léger. Léger, chérie. Oui, alors, mais c'est parce que je me suis battue. J'ai fait le papier roulé. Cellulite. D'accord. Donc, remontez à nouveau le petit vêtement. Grâce à cette machine, le docteur va découvrir l'épaisseur et la nature de chacune de nos cellulites. J'ai pas de cellulite. Pratiquement pas. C'est un truc énorme, juste ça me bouffe depuis des années. Julienne s'est fait de la cellulite, elle en avait surtout dans la tête. C'est au tour de Valentine. Vous allez voir, je suis championne de cellulite toutes catégories confondues. Vous avez pas peur? Vous êtes impressionnée ou pas? Montrez-moi à quel endroit ça me gêne le plus alors. Oh, bah alors, effectivement, vous voyez, ah bah, c'est-à-dire que j'ai même pas besoin de vous montrer, vous l'avez déjà vu. Il y en a un petit peu là, oui, effectivement. Vous voyez, j'ai un espèce de... Exact. J'ai un espèce de surpoids, là, un espèce de damas, là. Donc au niveau des cuisses, rien du tout? Ah bah, évidemment, il y a... Alors on va quand même regarder, pour comparer par rapport à avant, on va quand même regarder ici d'abord. Effectivement, on sent rien qu'à la palpation qu'il y en a un petit peu plus. On voit qu'il y a un petit peu de cellulite, vous voyez, un petit aspect de peau d'orange, qui est un peu diffus d'ailleurs. Oui, mais c'est bizarre, parce qu'il y en a plus là, bizarrement, non? Oui, ça descend. Mais la palpation déjà, elle est souple, ce qui est déjà un bon signe. Je suis super contente, je suis vachement de cellulite. Elle n'est pas dure. On va regarder avec le même appareil, les Codeplay, on va regarder sur... On regarde du gras. Allez, j'y vais. Je joue le jeu. Mais non, regardez, c'est pas grave du tout. Mais... C'est proportionné. Vous voyez, la cheville est dessinée, la jambe est galbée, la cuisse en s'évasant, c'est proportionné, ça. C'est proportionné. Voilà. C'est une grosse proportion. Non, ça va. C'est une jambe, c'est une bien. Le pied est magnifique, ça va très bien. La peau douce. Hein, le grain de peau est extraordinaire. C'est déjà ça. Alors, on va regarder maintenant ici. Voyez. Eh bien, regardez, vous voyez, c'est exactement ça. Il n'y a presque pas de cellulite. Présumé, on a toutes les trois la même. De la cellulite adipeuse, c'est la plus courante. J'en ai 16 mm, exactement comme Julienne. Et pourtant, elle est toute fine. Comme quoi, l'épaisseur de la cellulite n'a rien à voir avec la morphologie. Et la gagnante est Valentine avec ses 27 mm. Comme type de cellulite, c'est assez proche. On a deux cellulites très comparables, bien que la morphologie soit un petit peu différente, celle de Caroline et celle de Julienne. Que moi qui pensais avoir ça, finalement j'ai 16 mm, comme Julienne. Mmh. Puis on va vous laisser Valentine, parce que je vois que vous avez pas mal de trucs à vous dire, hein. Il y a quelqu'un. Allez, au revoir mon chat. Nous. Allez, courage.